La République de Guinée et la République fédérale d'Allemagne entretiennent des rapports d'amitié et de coopération qui s'étendent sur plusieurs domaines, notamment l'environnement, l'éducation et la santé. Nouvellement accréditée en Guinée, l'ambassadrice Irène Biontino multiplie les contacts auprès des institutions républicaines du pays. Ce mardi, la diplomate allemande rend visite à la première autorité de la représentation nationale. Ici, au Conseil national de la transition, l'ambassadrice Irène Biontino confère avec l'honorable président Dr. Dansin Kourma. L'entretien a essentiellement porté sur le renforcement des relations entre la Guinée et l'Allemagne. Je viens de remettre mes lettres de créance auprès du président de la République seulement le 30 septembre, mais le Parlement d'un pays est toujours le fondement de la démocratie et le projet de la Constitution, c'est un peu le fondement pour le futur du pays. C'est très intéressant pour l'Allemagne parce qu'on a des relations depuis très longtemps et ça définit aussi les règles du jeu pour notre coopération en futur. Cette rencontre avec la nouvelle ambassadrice d'Allemagne a été une aubaine pour l'honorable président Dr. Dansin Kourma de réitérer l'engagement de son institution à contribuer activement à travers la diplomatie parlementaire au renforcement des liens d'amitié et de coopération guinéo-allemande. Par la remise de ce présent symbolique, cette audience devrait également permettre d'entrevoir les bases d'une collaboration interparlementaire dynamique entre les deux pays.